J'étais enceinte de 2 mois et demi et j'avais peur que je puisse accoucher un enfant qui est no vraiment normal. Puisque après l'accouchement, j'ai demandé où est le bébé? Et puis on m'a montré le bébé. J'ai dit, ah, c'est ça le bébé. Donc je n'avais pas vraiment, je n'avais pas l'espoir à moi. Je craignais fort que je puisse avoir un bébé vraiment très joli comme celle-ci. One of the things that you learn from the beginning when you study Ebola is that there is no pregnant woman or no pregnancy that has survived Ebola before. So this is the first time in history that we are seeing that we admit pregnant women, we treat them for Ebola, they are discharged, still being pregnant without losing the baby, going home and deliver healthy babies. If you had told me this, like, 3 years ago, I would have said that that was crazy because we had never seen it before. Pour toutes les dames sorties en grossesse vivantes, il y a une équipe de surveillance, l'équipe de suivi, les psy et l'équipe ASP qui fait la suivi jusqu'à la maison et l'évolution de la grossesse. Et si y a un problème de l'accouchement, on vient chez nous ici. Nisaje mushasema musea na gonja na magonja nyeme tumaliza kwa watu munitunje. Mimi peke nike jiletaka bana nitunje. Ule mtoto wangu senya alifaa kuku 3 jours anakufa. Alikuwa akisha kufa mimi bana nitunje. Kwa bahati Mungu anasaidia mimi nina pona. Wanamke wa mimba basikwe na hoga, kila kitu tu ni Mungu, wanaomba Mungu kisha banakea kudao. Mie kungambo wangu kabisa mutu tu. Ukasikia tu mwili mubaya unakuya bana kutunja juu watu biko napona.